Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous montrer un tips très rapide pour inverser sur Mac vos touches options et contrôle du coup. Commandes et contrôle, pardon. Tout simplement parce que c'est une question qui revient assez fréquemment de comment changer ses touches. Il y en a beaucoup qui viennent de Windows ou Linux et qui galèrent à faire des copier-coller. Et donc pour éviter de perdre ses réflexes, on peut changer ces touches-là. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc pour changer ces touches, vous allez tout simplement dans Préférences système. Vous cherchez clavier. Hop, voilà, il est en surveillance. Et donc là, tout simplement, vous allez dans touches de modification. Et là, il va vous proposer tous vos claviers que vous avez. Donc là, on voit que j'ai un Magic Keyboard ou le clavier directement interne à mon MacBook Pro. Et donc là, en fait, tout simplement, la touche contrôle est devenue la touche commande et la touche commande est devenue la touche contrôle. Donc du coup, maintenant, pour ne pas perdre mes petits réflexes, si je fais un contrôle A et un contrôle C, et je fais un contrôle V, du coup ça marche, voilà, j'ai pas besoin d'appuyer sur commande pour faire mon copier-coller. Alors attention toutefois, parce que parfois vous avez des raccourcis sur Mac, dans certains tutos ou certains logiciels, où ils vont faire apparaître la touche commande. Du coup pensez bien à faire la touche contrôle au lieu de la touche commande, hein, si vous avez des commandes internes à Mac à utiliser. Donc voilà, c'était une petite vidéo très rapide, hein, pour montrer comment on fait. Ça évite de perdre du temps à chercher sur Internet. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.